Il y a un problème. OK. Vous voyez, ça, c'est un reçu d'un appartement que j'avais à ma possession. Ça veut dire c'était géré entre 2017 et 2027. Voilà, vous allez bien regarder. Ce reçu était gardé. Mais où le reçu était gardé, j'avais laissé ce reçu pour être un peu en déplacement. Donc, lorsque je suis arrivé maintenant, j'ai trouvé que le propriétaire est décédé. Donc, comme il est décédé, voilà, donc il y a une nouvelle équipe qui demande maintenant les différents reçus. Le reçu qui m'a permis, comment on appelle ça, de l'avoir pour 10 ans. Voilà, fouillez, voici comment je retrouve le reçu. Et l'équipe demanda le reçu original. D'accord, ce n'est pas un problème. Vu que c'est un endroit où je n'habitais pas, ça veut dire c'était justement loué pour un bureau. Vous savez, dans le travail pour un bureau, et maintenant voici comment c'est arrivé. Donc, nous sommes sur les négociations. C'est pour dire que vous voyez, quand vous louez quelque chose, ça dit le reçu, il est beaucoup précieux. Voilà, souvent même là, ne le confondez même pas avec les autres reçus. Parce que moi, je pensais que c'était terminé. Voilà, une fois que je suis dedans, c'est fini. Et bon, c'est un reçu même que je ne touche pas comme ça. Et c'est un bureau aussi que moi-même, je n'utilise pas comme ça. C'était au quatrième étage, la première chambre. Et automatiquement, voici comment c'est arrivé. Voilà, si vous voyez bien, vous pouvez savoir où se trouve ce bureau. Voilà, regardez bien. Donc, il n'y a pas de souci. Le mieux, bon, il reste 3 ans, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est de déménager dedans. Voilà, c'est un bureau, mais il est tout enfermé aussi. On ne travaille pas en tant que tel dedans. Voilà, actuellement, bon, au niveau d'engrais, les activités sont là-bas. Donc, je pense que c'est pas grave. Voilà, c'est pour déménager dedans. On va fermer ce bureau jusqu'à ce que, voilà, ça soit OK. Jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur certains principes. Allez, y pense.